T'imagines si les grands groupes comme Air France, on va devoir les aider parce qu'ils sont en galère. Imagine les gens qui ne sont pas sur Internet. Je veux dire, toutes les entreprises physiques sont cuites. Il y a des entreprises qui n'existeront plus après le coronavirus, ça c'est sûr, et qui ne reviendront pas. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le coronavirus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la panique, c'est la misère. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On fait quoi? Ok, donc on va juste dire exactement quoi faire durant le coronavirus. Ok, après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement les actions à mettre en place par rapport au coronavirus, parce que c'est la galère, c'est la misère, mais aussi des opportunités. Donc je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Moi, j'ai grandi à Évry dans le 91, en banlieue aux Pyramides. Ok, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne et pouvoir voyager où je veux quand je veux. Ok, donc là aujourd'hui, je suis en Floride. Voilà, donc vous me faites être dans le confinement en Floride que dans le confinement à Paris. Ok, voilà, chacun fait ses choix. Choisis ton camp, mon gars. Donc qu'est-ce que je fais dans la vie, parce qu'on me demande ça à chaque fois, donc je vais te le dire à chaque fois, c'est j'accompagne les gens qui veulent créer leur business en ligne de A à Z, ou les coachs consultants pour pouvoir leur permettre d'atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement grâce au système de clients illimité où tout est digitalisé et leur permet d'avoir des clients en illimité. Ok, donc moi je te coach directement, donc tu n'as pas d'excuses. Même si tu connais rien, tu n'as pas de passion, tu n'as pas d'idée business, tu connais rien à internet, moi je t'accompagne de A à Z et je te coach. Ok, je te coach directement. Donc tu peux pas me dire je sais pas quoi, tu peux pas esquiver. Je te coach directement et tu as vu les résultats qu'ont ceux que j'ai accompagnés. Tu vas dans i comme info, tu verras les résultats qu'ils ont eu. Ok, donc je t'accompagne de A à Z pour que tu puisses générer du cash avec ton business en ligne, que tu sois débutant ou pas, pour que tu puisses être indépendant financièrement, être libre géographiquement et voyager où tu veux, quand tu veux, si jamais c'est ce que tu souhaites. Donc le coronavirus, il est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la misère, c'est que qu'on fait? C'est la crise sanitaire. Bon, voilà, on a compris qu'on est arrivé dans une crise financière aussi. Bon, maintenant, si jamais, parce que je pense que pour les mauvaises nouvelles, t'as BFM TV. Ok, moi ici, on va juste parler des bonnes nouvelles, des opportunités que s'offrent à toi par rapport au coronavirus. Ok, sur chaque crise, c'est là où il y a eu le plus de millionnaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de richesse, tout simplement. Ok, aujourd'hui, il y aura un avant et un après coronavirus, ça c'est sûr. La plupart des entreprises essaient de se digitaliser, essaient de digitaliser leur expertise. Si tu es coach expert consultant, aujourd'hui, je suis sûr que tu fais du télétravail. Ok, et ben ça, c'est quelque chose, ça fait des années, les gars, que je vous dis, il faut créer votre business en ligne. Mais on ne m'écoute pas. On ne m'écoute pas. On dit arnaque, c'est connu, c'est pas quoi, c'est pas quoi. Tous les gros groupes maintenant, les grands groupes, qui voyaient Internet, bon, ils savaient qu'Internet fallait se positionner dessus. Mais je peux te dire qu'ils ont regretté. Il y a des millions d'entreprises qui ont fermé. Alors que si jamais ils étaient digitalisés, ce ne serait pas arrivé. Aujourd'hui, Jeff Bezos, son entreprise à Amazon, alors peut-être que ça va changer au moment où tu vas regarder cette vidéo, mais a été valorisée durant le coronavirus à 1,1 trilliard. Je ne savais même pas que ce chiffre existait. Okay? Donc, tous les gens qui ont un business en ligne actuellement durant le coronavirus sont très, très bien. Je peux te dire qu'ils sont très, très bien. Les coûts publicitaires sont super bas parce que la plupart des entreprises ne font plus de pub parce qu'ils restent dans la terreur, le coronavirus, ils ont peur de tout, ils ne savent pas combien, quelles sauces ils vont être mangés. Il y en a tout simplement qui ne peuvent plus parce qu'ils ont fait faillite. Tout simplement. Donc là, c'est la fête pour tous ceux qui sont dans le digital, clairement. Et tout le monde est sous les réseaux sociaux, tout le monde est, donc il y a un pic de trafic en fait sur Internet, tout simplement. Donc au lieu de céder à la panique, et acheter des papiers toilettes, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc-là? Il y a un mouvement de foule, je pense qu'il y a un fou qui devait sortir dans un hôpital psychiatrique, qui a pris plein de papiers toilettes, et tout le monde s'est dit, mais attends, mais s'il prend plein de papiers toilettes, c'est qu'il y a un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire. Et les gars, ils ont acheté tout, et tout le monde est parti en sucette. Ils ont tous acheté du papier toilette. On ne comprend pas pourquoi. Donc, restez cool, rationnel. Tu es en confinement, l'idée, c'est de profiter, de préparer les beaux jours qui arrivent. Parce que, comme dans toute crise, ça va descendre et ça va remonter. Et quand ça va remonter, c'est là que le transfert de richesse il va se faire. Donc, sois prêt. Okay? Donc, maintenant, premier conseil que je vais te donner durant le coronavirus, quoi faire? De créer ton business en ligne. Tu as une formation offerte dans les commentaires. Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Quand tu vas voir que les gens vont s'enrichir à côté de toi, il ne faut pas dire « je ne t'avais pas prévenu ». Viens pas pleurer après. Viens pas dire « je ne savais pas ». Okay? Et ne me sors pas des trucs. J'ai entendu des gens qui me disent « je vais attendre la fin du coronavirus, de la crise ». Pour pouvoir commencer à créer mon business en ligne ou investir. Je sais pas, je comprends pas. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Ça arrive une fois tous les 100 ans. Si tu n'as pas compris ça, frère, tu ne comprendras jamais. Tu peux croire que c'est du marketing que je te fais, que je veux juste te vendre des accompagnements. Bien sûr, c'est mon boulot, bien sûr. Mais je te vois un truc qui est vrai, tu vois, je veux dire. C'est quand Steve Jobs dit achète tes iPhone, ça déchire, c'est parce que ça déchire. Tu vois, tu l'achètes et tu dis ah ouais, j'avoue, ça déchire. Ben voilà, c'est pareil. Tu as mis i comme info pour voir les témoignages
de mes clients. Donc oui, c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action pour créer ton business. Parce que tu vas manger maintenant et en plus, quand ça va reprendre, tu vas manger. Et toutes les entreprises, de toute façon, vont se digitaliser. Donc c'est maintenant, les gars, faut pas dormir. Donc quoi faire durant le coronavirus, c'est créer ton business en ligne. Commence à développer tes réseaux sociaux, ok? Commence à poster, commence à faire des lives, ok? Tout le monde est sur les réseaux, donc profite. Okay? Si jamais tu es coach consultant, c'est maintenant ou jamais de prendre cette masterclass. C'est maintenant ou jamais de prendre cette masterclass et de l'appliquer. Si tu veux que je t'accompagne, on va exploser. Ceux que j'accompagne maintenant qui rentrent dans mon accompagnement là, pour que je les accompagne, ça fait beaucoup d'accompagner là. Pour que je les accompagne maintenant, eh ben ils sont gagnants parce que là, ça va super vite. Ça va super vite. Le système de clients illimités n'a jamais aussi bien fonctionné là maintenant. Donc si tu es coach expert consultant, mais il faut que tu prennes cette masterclass. Que tu rentres dans mon programme. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux dire oui, je vais attendre, etc. Mais je suis sûr que tu fais du télétravail là maintenant. Ou peut-être que tu as perdu une grosse perte de, t'as eu une grosse perte de chiffre d'affaires parce que tu peux plus aller en cabinet, etc. T'imagines si les grands groupes comme Air France, on va devoir les aider parce qu'ils sont en galère. Imagine les gens qui ne sont pas sur Internet. Je veux dire, toutes les entreprises physiques sont cuites. Il y a des entreprises qui n'existeront plus après le coronavirus, ça c'est sûr, et qui ne reviendront pas. Parce que des coronavirus ne sont pas arrivés, il y en aura tous les ans. Hein. Maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu saisis cette chance-là ou pas? Ou est-ce que tu trouves des excuses? Oui, machin. Il y en a qui hésitent juste à prendre une formation offerte. Oui, mais je ne sais pas si je mets mon mail. Peut-être qu'après, je ne sais pas comment ça va faire. Oh mec, si déjà tu as peur déjà de mettre ton mail pour avoir une formation offerte, pour avoir du contenu, mec, t'es pas prêt pour avoir de l'argent. T'es pas prêt. C'est un challenge trop puissant pour toi, ça. T'es pas prêt, cousin. Tu peux te désabonner et regarder des vidéos de chat ou regarder des vidéos de Norman. Il y a aucun souci. Bien que je n'ai rien contre Norman, évidemment. Voilà. Par contre, des fois, je regarde des vidéos de Dieudonné. Et des fois, je rigole. Voilà. Ben, fin de carrière. Ah, ben voilà. Mais les gars, je rigolais. Ouais, je regarde Dieudonné, mais voilà, de loin. Bref, passe à l'action, ok? Donc, crée ton business en ligne. Si jamais tu sais pas quoi faire pour un coronavirus, je te le dis, il faut que tu crées ton business en ligne. Ça n'a jamais été aussi le moment de le faire. Déjà, c'était bien avant, ce sera bien après, mais ceux qui vont le plus manger, c'est maintenant. Si tu veux faire partie des prochains millionnaires, c'est maintenant qu'il faut le faire, ok? Je t'ai pas dit que tu seras millionnaire dans 2 mois, hein. Mais la remontée, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tu feras partie de ces gens-là. Tu vas surfer sous la vague, normal. Donc, en gros, n'agis pas comme la masse. Là, la plupart des gens sont là, ah, on a peur. Hein. Ils regardent BFM tous les jours. Et j'ai entendu même qu'il y a un gars qui s'est suicidé, ils sont en dépression, etc. Arrêtez de regarder les actualités, les gars. Vous savez pas que les actualités, c'est pas bon. Ils vont juste vous faire déprimer. Ils vont pas vous dire, ouais, ça déchire, vous pouvez avoir des opportunités, etc. Ils vont vous montrer avec leur prisme, d'accord, c'est la misère, on va tous mourir. Voilà ce qu'ils vont vous montrer. Et après, il y en a qui sont dans la théorie du complot. Oui, ils font ça parce qu'après, ils vont nous donner un vaccin, tout ça, et c'est fait exprès. Quoi qu'il arrive, que ce soit un complot ou que ce soit pas un complot, ok, ça change rien à ta vie. Toi aujourd'hui, tu dois te poser la question, comment je peux utiliser cette situation comme une opportunité, ok? Il y en a qui ont du mal avec ça. Oui, opportunité, ben restez pauvres les gars, si vous voulez rester pauvres. Comment tu peux faire? Eh ben moi je te le dis, le business en ligne, c'est maintenant qu'il faut le faire, si jamais tu veux saisir une opportunité. Si tu avais déjà prévu de le faire, tu y réfléchissais, c'est maintenant ou jamais. Okay. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es vénère et tu veux juste qu'on parle que des mauvaises nouvelles par rapport au coronavirus. Donc t'as toujours la formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne en partant de zéro. C'est dans les commentaires épinglés, t'as juste à cliquer dessus et tu as tout accès, c'est une valeur de 200€. La masterclass pour les coachs experts, consultants, c'est pour vous les gars. C'est maintenant ou jamais. Déjà, tu dois galérer parce que tu ne peux plus exercer comme d'habitude. Mais c'est maintenant ou jamais de basculer ton système tout en digital. Okay, je te montre exactement comment faire de A à Z et comment du coup mes clients ont mis ça en place et ont atteint les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc, tu es libre d'accéder à la masterclass qui est juste en dessous dans la description et tu verras exactement comment ils ont fait. Tu verras si c'est du bon sens, c'est logique. Mais si tu ne sais pas, ben, tu ne peux pas savoir. Voilà. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et si tu penses que c'est des bêtises que je te raconte, tu as le i comme info, tu verras les témoignages de mes clients. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les bullshit.